Salut tout le monde. Dans la vidéo, ça m'a lancé moi-même comment nous capables d'insérer en ligne, non faire de calcul, insérer en colonne, éditer en cellule qui nous dégagent données là-dedans déjà. Et nous allons comment donner yo aligner dans une cellule. Dépendamment de quel type de données qui vont entrer dans la cellule là, comment que les aligner dans la cellule là. Maintenant, on a le lancement même avant. On prend notre clic là, ok? Notre tête, tableau là. On va voir les bonnes informations non. Dans le name box là, côté nom affiché là. On peut là, il y a 10 485 076 R. R signifie row, qui signifie ligne en français. Donc, il y a un feuille de calcul Excel, il y a 10 485 076 lignes par 16 384 colonnes. Ouais? Il y a 16 384 colonnes et il y a 10 485 076 lignes. Donc, on fait le calcul qu'on paquet ligne à colonne la donne. Maintenant, on peut aller l'impliquer sur l'entête là tout, après que toutes cellules là, il y a sélectionné. Donc, c'est pour ça qu'on va sélectionner, ok? Soit on fait contrôle A ou bien on fait tout simplement, on vient leur cliquer et toutes cellules là sélectionnées. Maintenant, on a regardé comment on peut insérer une ligne en colonne. Pour nous insérer une ligne, par exemple, on dit besoin d'insérer une ligne entre ligne 1 là et ligne 2 là. Donc, on a besoin d'une ligne vierge, une qui est vide dans le temps de ça. Tout simplement, on vient là, on fait clic droit sur 2 là et on clique sur Insert. Alright, on peut là. Ligne de gain qui est 2 à l'ivine 3, qu'on a 2 à l'ivine vide. On essaie l'autre encore. Insert. Ok, on peut que vous êtes capable d'insérer autant de lignes que vous voulez. Dans un worksheet ou bien yon feuille de calcul dans workbook, dans worksheet. Alright. Maintenant, on dit que je vais supprimer, je vais faire une lame, faire même la lame, clique sur le clic droit, clique sur delete. Ok? Si j'ai plusieurs, par exemple, j'ai deux, ça va bien supprimer. Quand je vais sélectionner comme ça, fait clic droit sur yo, clique sur on dit delete. Ok, et là, on dit Shift Cells, je clique sur Entire Row. Checker le bouton ça, Entire Row, je fais OK. Automatiquement, on met une ligne, on sélectionne, on supprime. Fait de même, si besoin d'insérer une ligne, on met une colonne entre BI et CA, on met là, on fait Insert. Voilà. Là, on met une nouvelle colonne qui est insérée entre colonne BA. Quand on va venir ici encore, ça me dégage qui c'est à l'évine automatiquement dans colonne DA. Donc c'est pour ça qu'on va venir en ligne en colonne dans feuille de calcul. Pour supprimer, nous venons en tête là, on fait clic droit dans tête là, cliquez sur delete. Ok, maintenant, quand on va éditer en cellule, on va éditer de façon, on fait double clic dans cellule là, où est-ce qu'il est là, automatiquement, on fait 1, 2 sur lit. Donc il y a une possibilité, soit pour m'effacer. Non, ça me compte nous dégager déjà dans cela. On va faire espace, on taper l'autre information. OK? Dans cellule moyen. OK, on dit Monday. On dit good. Ouais, on va mettre quand taper n'importe quoi, vous pressez enter automatiquement. On voit que en cellule automatiquement lit sorry, lit moi éditer ou moi changer contenu qui est dedans là. OK, on va tout faire de façon qu'on va sélectionner, on clique sur lui, on presse F2 sur clavier, on voit que il y a bonne possibilité pour éditer contenu cellule là. Donc c'est comme ça qu'on va éditer en cellule ou bien modifier contenu qui est dans cellule. Maintenant on voit que comment donner aligner dans cellule. Dépendamment de quel type de données qui entrent dans cellule, on peut les montrer lettres dans cellule, les aligner à gauche, on peut là, ça va à gauche, et les montrer chiffres, les aligner automatiquement à droite pour compte lui. Donc, lettres alignées en Excel à gauche et chiffres alignés à droite dans feuille de calcul Excel. Merci guys, on se voit dans la prochaine vidéo.